tout le monde alors comme promis euh, je vous avais par... je vous en avais parlé dans mon journal créatif euh, je vous explique rapidement comment euh, calculer votre toile euh, pour une broderie en point compté voilà alors vous allez euh, taper dans le moteur de recherche google calculateur broderie ou calculatrice de toile voilà et moi je me sers toujours de celui-ci, Broderie Passion. Donc on clique dessus. Voilà. Juste le temps que ça s'ouvre, hein. j'ai les joies d'internet moi en ce moment, l'ordinateur tout rame. Alors, vous allez avoir Hop, je vais agrandir. Ici en haut, euh, largeur multipliée par hauteur du motif à broder en points. Alors, sur votre toile de broderie, euh, vous avez le nombre de points. Par exemple, 100 multiplié par 200 ou 300 multiplié par 500, etc. Voilà. Euh, donc, on... Hum, on Va taper, bon, je vais prendre juste un exemple. On va taper 200 sur 300. Hein, voilà, Hop. donc vous mettez les deux chiffres que vous avez sur votre grille dans les petites encarts ici. Ensuite, vous voyez en dessous type de toile, donc vous allez cliquer dessus. Et vous allez pouvoir voir que on vous propose différentes toiles. Alors, ça va de l'AIDA 5-4, 5-5, 6-4, 7-7, 2-8. Après, ça vous parle en fil. Donc, en fil, ce sera pour les toiles de lin et les toiles d'étamine. Alors, il y a du 8 fils. Euh, bon, 8 fils, on s'en sert jamais. Hein. Euh, donc, on va passer au-dessus. Il y a le 10 fils. Donc, euh, si vous brodez qu'avec un seul fil de toile ou si vous brodez avec deux fils de toile, donc c'est deux fils de trame si vous préférez. Euh, bon, en général, on fait du deux fils, mais euh, il peut vous arriver des quelques fois que vous fassiez du un fil, euh, un, un fil sur un fil de trame. Voilà. Alors, on va rester simple, on va rester sur le deux fils. Alors, comme moi j'utilise souvent le 12.6 fils, vous voyez, là ça va jusqu'au 13 14 15 16 fils. Alors, on va commencer avec l'étamine comme moi je fais 12.6 fils au centimètre avec deux fils de toile. Hop, on clique dessus. En dessous, vous mettez une marge alors la marge elle peut aller de 5 cm à 10 cm si vous voulez une grande marge euh, moins souvent je mets 5 cm mais vous pouvez mettre plus grand hein. et vous appuyez tout simplement sur calculer voilà et là vous avez euh, la taille de la toile dont vous avez besoin pour broder votre motif ou votre broderie avec la marge, donc ici c'est 41,73 bon 74 multiplié par 57,61. Alors moi j'enlève toujours les virgules et j'arrondis toujours au chiffre au dessus, donc ça fera 42 multiplié par 58. Toujours avec les mêmes mesures. Si vous vous souhaitez faire avec une Aïda, alors euh, on va prendre l'aïda 7, par exemple, toujours 5 cm de marge, on va calculer, et voilà. Donc là, vous avez, bon, j'arrondis, comme je vous ai dit, ça vous fait 39 sur 53. Vous allez prendre une toile qui fait 39 cm sur 53, et vous aurez en même temps votre marge de 5 cm. Voilà, et... Euh... Ça, après bah, c'est toujours pareil hein, même la 5-5 hein, euh, voilà 5, 5 ça vous fait euh, 47 sur 65 etc etc voilà il n'y a rien de compliqué pour calculer votre toile euh, que ce soit de l'aida que ce soit de l'étamine que ce soit du lin vous pouvez tout aussi bien aller sur ce site sur ce calculateur pour euh, mesurer votre toile voilà, bah, écoutez, euh, là on a fait le tour déjà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je vous remontre la, la page d'accueil, euh, enfin le titre de la, du site. Donc moi c'est Broderie Passion, c'est celui dont j'utilise le plus. Hein. Euh, D'ailleurs sur ce site, je ne vais, euh, vais que sur cette page-là il euh, y a des nouveautés, promotion cours de broderie euh, bon euh, c'est vrai que je ne vais jamais là-dessus là et, et CH ça doit être un site un site suisse ça non 30,20 h je sais pas bon soit vous voyez il y a il y a beaucoup de broderies, mais c'est vrai que j'ai jamais regardé euh, le reste du site. Il faudra qu'un jour je m'y attarde. Tiens, il y a même des lily -li Bon, voilà. Euh, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas. Euh, j'y répondrai bien sûr et si vous voulez d'autres explications en euh, vidéo ben dites le moi aussi et je me ferai un plaisir de vous les faire voilà allez je vous laisse pour aujourd'hui on se fait de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous